après deux pratiques de spring camp, parce que les coachs ont essayé de me mettre, m'amener en defense, puis c'est un... Ah ouais, ils l'ont vraiment essayé. Mais tu sais, le DC à Syracuse, il y en a un qui s'avait fait mettre dehors durant la saison. Ils en ont ramené un autre qui a joué dans la CFL. Fait qu'il connaît un peu plus. Tu sais, il était un peu plus proche des Canadiens. Fait qu'il arrêtait pas de venir me voir. Tu devrais essayer. Puis, admettons, après la deuxième pratique là, du camp de printemps, les coachs, j'ai rencontré trois coachs de receveurs. Puis là aussi, c'est qu'il me disait, t'es au-dessus de nos attentes en ce moment, lâche pas, blabla, t'es dans la compétition, c'est sûr, tu joues special team, puis là, on veut juste savoir si tu vas start. Mais comme, continue à faire. Puis là, malheureusement, on s'en va au spring break, malheureusement. Heureusement, on s'en allait en spring break, puis nous, on reprenait l'activité en revenant. Puis là, il y a eu tout ça, il y a eu le COVID. Puis là, c'est en arrivant chez nous que là, je suis avec mon monde, je suis avec ma famille, je suis avec ma blonde. Puis là, c'est là que j'ai eu le temps, je pense, de prendre du recul, là, puis de voir comment ça s'est passé. C'est ça, quand tu prends du recul, c'est là que tu vois, mettons, comment ça s'est passé ma première année, si on peut dire, là, qui est, en gros, c'est comme 7 mois. Là, puis les questions qui me revenaient souvent, c'est est-ce que je pouvais me voir à Syracuse pour mes 4 prochaines années? Est-ce que je me voyais là? Est-ce que j'avais un sentiment d'appartenance avec l'équipe? Puis tu sais, les réponses ont toutes été non là, à ces questions-là. Fait que là, c'est là que la décision, puis tu sais, ça a été, on a réfléchi, on a parlé avec mes parents, on a parlé avec ma blonde. Avec les coachs là-bas? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que là, j'ai rédigé une lettre pour le écrire, parce que on faisait tout en Zoom, puis là, c'était compliqué. Rédiger une lettre, envoyer ça. Ensuite, j'ai eu des grosses discussions avec plusieurs coachs là-bas. Puis il me disait qu'il respectait ma décision, que c'était une décision dure à prendre pour mon âge, puis de pas lâcher, qu'il allait continuer à voir ma carrière, là, comment que ça allait se passer si je continuais à jouer au foot. Je pense que ça a été un gros... pour moi, ça a été un gros soulagement là, de faire ce move-là. Puis par après, ça a juste été de prendre une décision ici. Là. C'est quoi qui allait se passer pour moi.